Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, et bien comme je pense la plupart des chaînes YouTube ou BookTube, pour faire un bilan de l'année 2022, que ce soit un bilan lecture, humain, ou de la chaîne également, ce qui va peut-être se passer, ou ce que j'aurais aimé, ce qui se passe, et tout ça, tout ça. Mais avant tout, je tiens à souhaiter une bonne année à tout le monde, au cas où, ceux qui n'auraient pas vu les vlogs, je sais que les vlogs sont toujours moins regardés que les petites vidéos comme ça, spéciales livres, donc bonne année à tous, j'espère que vous aurez une année 2023 pleine de joie, de bonheur, de douceur et surtout de très très bonnes lectures. Donc on est parti, comme chaque année, je vais faire tout simplement les Oscars des lectures que j'ai eues dans l'année, puisque j'ai déjà fait un premier bilan de mi-année au mois de juin dernier, je vous mets la vidéo là si vous voulez, et que je voulais pas refaire la même chose, reprendre voilà, les mêmes questions, parce que bon, j'ai beau lire quand même pas mal de bouquins, quand on aime bien, voilà, ils reviennent quand même assez souvent, et surtout en fait le souci que j'ai en ce moment c'est que je lis, mais je n'ai pas non plus de gros coups de cœur et j'oublie en fait très très facilement mes bouquins. Excusez-moi, le cadrage a peut-être changé, ma caméra m'a lâché à cause de la mémoire comme toujours, donc j'ai dû vider tout ça. Donc, je disais, voilà, puisque maintenant vous connaissez ce carnet, et que en fait, je note toutes mes lectures avec les dates pour voir voilà, combien de temps je mets pour lire certains livres, ce qui, voilà, certains genres, je vois que je mets plus de temps que d'autres, qui, si j'ai envie du coup de lire vite, un certain mois je ne lirai pas, enfin voilà, ça me permet de bien voir aussi quel bouquin j'ai vraiment aimé ou quoi. Et des fois, je relis les titres, et je suis là en mode, je sais pas ce que c'est, ou alors je n'ai aucun souvenir de l'histoire, ce qui est le cas, ah bah attendez, je viens de m'en souvenir, voilà, et bah comment j'ai fait, je ne sais pas, j'avais totalement oublié l'histoire de la vie rêvée des chaussettes orphelines, mais là je viens de m'en souvenir, à l'instant, voilà, je sais pas comment ça se fait, mais j'avais totalement oublié, donc depuis tout à l'heure je feuillette le temps de voir un peu ce que je vais noter tout ça, et je suis là vraiment, celui-ci, néant, total, donc bon bah ça... Ça veut un peu tout dire, n'est-ce pas? Pourtant, je l'ai quand même bien aimé, mais comme vous voyez, c'est pas un coup de cœur, c'était pas un truc incroyable pour moi non plus. Donc bon, bah, c'est oubliable. Voilà, donc cette année, j'ai lu... Attendez, j'ai noté, je l'ai noté. J'ai fait une très très bonne année, mais comme je le dis dans mon bilan de mi-année, j'ai lu quand même pas mal de mangas. Du coup, j'ai lu 108 bouquins cette année, et je suis... sur le cul, je suis très étonnée. L'année dernière, j'en avais lu 99, donc on en a lu 9 de plus. Ce qui est très bien, je suis très contente, même si j'ai pas d'objectif à lire toujours plus. Entre 80 et 100, je suis contente, donc déjà à 80, j'aurais été contente, tu vois. Mais je suis super contente parce que cette année, j'ai eu que ben, 2 semaines de vacances. Donc c'est-à-dire que même avec un boulot presque non-stop durant un an, j'ai réussi à extrêmement bien lire. On n'oublie pas quand même effectivement que oui, il y avait pas mal de mangas, mais... C'est quand même très bien, donc je suis déjà très contente là-dessus. Et sinon, je suis contente aussi pour le moment sur la diversité des genres que j'ai lus. Donc on reste éclectique. Et ça, je suis extrêmement contente. Voilà. Parce qu'on n'est pas parti pour les questions. Donc pour les Oscars 2022. C'est parti. Je me munis de mon petit pense-bête. Alors, notre meilleur personnage masculin. Ah, ça commence déjà à vibrer. On va enlever le vibreur. C'est normal, j'ai mis des bouquins sur Vinted. Après ça, c'est du harcèlement non-stop. Hop là. Donc, bon, un que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. J'ai adoré, surkiffé, aimé Spencer, du coup, de Taxonomie de l'amour de Raquel Allen, aux éditions Bayard, si vous ne l'avez pas lu. Qu'attendez-vous ? Je l'ai adoré. Alors certes, on est avec des adolescents. Enfin, ça commence avec Spencer qui a 12 ans, si je me trompe pas. Et on va jusqu'à ses 18 ans, voire un petit peu plus. Donc on le suit presque tout au long de son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et je suis tombée amoureuse littéralement de cette histoire de Spencer. Et voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup d'émotions. C'est un livre très, très beau, très émouvant, à la fois vrai, je suppose, sur du coup le syndrome qu'a Spencer, puisqu'il a le syndrome de la Tourette. Donc voilà, on découvre aussi plein d'aspects de cette maladie, de ce syndrome, qu'on ne connaît pas quand on ne le côtoie pas comme moi au quotidien. Et j'ai juste adoré, c'est une très belle lecture, qui se lit tout seul, vraiment. Je l'ai dévoré et je l'ai trop aimé, et j'espère du coup pouvoir le relire dans quelques années, et voilà, aimer encore autant, et refaire une belle découverte.
Et sinon, en livre que je n'ai pas en ma possession, mais que j'ai lu du coup en e-book, j'ai adoré. Alors, je sais pas comment on dit, je dirais Rhysand de Acotard, tome 2, donc un palais de colère et de brume que j'ai adoré. Donc, j'ai dévoré les deux premiers tomes cette année, vraiment, je l'ai déglingué. Et le 3, je pense, du coup, va arriver très très bientôt. C'est que là, bon, j'ai pas trop eu le temps, j'avais pas trop envie de me lancer dans de la fantasy, dans du fantastique comme ça, un peu, enfin, voyons, young adulte, on va dire, jeunesse, quoi. Mais là, avant mars, je pense que le tome 3 sera lu. Et apparemment, il y a également un tome 4, si je me trompe pas, même si de base, c'est une trilogie. On va voir pour celui-ci. On va déjà lire le tome 3, tout tranquillement. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour Isande, qui... Voilà, c'est un peu le truc de base du anti-héros, qui finalement te fait un peu craquer. Normalement, moi, je suis pas trop pour ça. Mais là, je me suis totalement laissée avoir, et pour mon plus grand bonheur, j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de ces aventures, voilà. Donc forcément, qui dit meilleur personnage masculin dit meilleur personnage féminin. Alors, j'en ai pris deux aussi. Après, il y a une forte possibilité que j'oublie des personnages féminins ou même masculins que j'ai beaucoup aimés, mais que tu vois, sur le moment, ça me revient pas. Donc j'ai adoré Nina de La Charmante Librairie des Jours Heureux de Jenny Colgan. J'ai renoué avec Jenny Colgan cette année et j'ai adoré, adoré. Donc la suite sera bientôt lue, je pense avant cet été. Et oui, Nina, je l'adore parce que c'est genre totalement le genre. Je me suis totalement retrouvée en elle en fait. C'est le genre de meuf qui a un peu peur de faire les choses, qui a un projet, qui rêve de quelque chose, mais qui ose à peine en parler, à peine le dire, à peine le rêver. Et qui finalement bah, va lui arriver une petite merdoum et qui se dit bon. Même si elle saute pour mieux reculer, on va dire, ben voilà, après elle saute, tu vois. Non, elle recule pour mieux sauter. J'ai totalement inversé la phrase, tout va bien. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est totalement comme nous, avec ses peurs, tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, elle se dit non, là, tu vois, si tu veux vivre, faut y aller. Te laisse pas, tu vois, enfermé par un quotidien, quelque chose que tu n'aimes pas. Tu veux vivre, tu veux être heureuse tous les jours en te levant, en allant travailler. Voilà quoi, fais-le. Enfin, je veux dire, on n'en rêve pas un peu tous, à moins que vous ayez vraiment un boulot de passion et de rêve que vous faites actuellement. Mais même moi qui n'ai pas un boulot extrêmement chiant ou quoi, je rêve de tout claquer pour faire un truc que j'adorerais, voilà. Et on n'ose pas et on se dit, mais ça va pas le faire et ça va pas fonctionner. Et qu'est-ce que je fais si ça fonctionne pas et je vais être dans le caca, enfin voilà. Mais en même temps, tu te dis, si tu le fais pas, tu vis pas non plus totalement et t'as pas envie de vivre plus de la moitié de ta vie comme ça, à pas regretter de te lever le matin, mais tu vois, il y a un petit peu à reculons. Et en fait, Nina, elle m'a juste vendu du rêve, et voilà, du coup, j'ai aimé Nina. Du coup, j'ai aimé aussi globalement le bouquin, effectivement. Je vais pas rester. Faut que j'arrête de traîner trop sur les trucs, mais je l'ai vraiment adoré. Ça a été un. Celui-ci, vraiment, ça a été un coup de cœur. Vraiment, je l'ai adoré. Et un bouquin, vous êtes peut-être étonnés de ce que je vais vous montrer, que j'ai lu là en décembre, mais j'ai adoré. Lila de Noël Avalanche Hésitation de Rose Mia. On avait Nina, nous avons Lila. C'est. Alors, elle n'est pas un peu comme Nina, mais on est un peu sur le même style de personnage qui. Là, elle subit quelque chose, mais de façon amoureuse et relationnelle. Et puis finalement, pareil, elle va prendre un peu son indépendance, tout ça. Elle va. Enfin, j'ai aimé le fait que voilà, qu'elle retourne un peu le truc et qu'elle y aille aussi. Voilà, je sais ce que je veux maintenant. Et ben, je ferai pas tout pour l'obtenir, mais tu vois, je vais arrêter de me laisser en plan et vraiment avancer et aller de l'avant. Donc moi j'aime les personnages qui cherchent toujours un petit peu à se surpasser. Peut-être parce que c'est quelque chose que je voudrais faire que je n'arrive pas à faire. Effectivement, dans ma vie de tous les jours, c'est fort possible. Souvent, on aime ce que nous, on n'arrive pas à atteindre ou ce qu'on admire et ce qu'on aimerait atteindre, n'est-ce pas? Donc bon, ben voilà. Sur mes personnages féminins, c'est 100% ça, vraiment. Mais du coup, j'ai adoré Lila. Souvent, tu vois, les bouquins comme ça de Noël. C'est léger, c'est. Enfin voilà, tu vois, c'est pas prise de tête, et du coup, c'est rarement des coups de cœur, c'est juste des lectures comme ça, un peu plaisir de fin d'année. Mais celui-ci, vraiment, je l'ai vraiment adoré, et je comprends du coup tout l'engouement qu'il y a eu autour, parce qu'on me l'a conseillé 2, 3 fois, et voilà, et je le regrette absolument pas d'avoir suivi votre conseil, et les avis du coup étaient vraiment justes. Donc ça, c'est cool. Nous avons maintenant les meilleures couvertures. Bon, ça. C'est un peu pas du jeu, parce que je vous ai sélectionné 2 BD, parce que on peut pas vraiment rivaliser, un bouquin peut pas rivaliser avec une couverture de BD, on est d'accord. Voilà, mais bon, je me suis dit quand même, elles sont jolies, il faut que je vous les présente, parce que ce sera pas des bouquins, ce sera des BD, c'est tout. Voilà.
Donc, nous avons évidemment, pareil, une BD que j'ai lue là au mois de décembre. Le troisième tome du Grimoire d'Elphie, voilà, qui était donc Malaventure de Pain d'Épices et qui est fait par Arleston, Alouette et Milodvine. Et c'est chez Dracou. Bon, ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du Noël, il y a de la neige, il y a un joli rouge, du joli doré. On a des tons un peu bleu, mauve. Enfin, c'est. Là, vous avez tout ce que j'aime en une couverture. Toutes les couleurs, l'ambiance. Ça, c'est moi. Ça, j'aimerais trop. Ça, c'est moi. J'aimerais trop qu'il y ait genre ça comme ambiance chez moi. J'adore. Je surkiffe. Il est magnifique. Et la BD en plus était vraiment cool. Donc, on a juste hâte d'avoir le tome 4. En espérant qu'il sera là en 2023. Comme ça, je vous représenterai dans un Oscar le tome 4. En 2023. Oh, bon, on se connaît, on va pas faire la fine bouche. Je me connais, j'adore Grimoire d'Elphie et les couvertures et les dessins et les couleurs sont 100% ma came. Donc voilà. Et j'ai également mis Le Jardin des Fées, donc Bergère des Fées de Alouette et Moretti. C'est chez Dracou également. Donc voilà, pas de coïncidence. Je l'ai adoré ce premier tome, vraiment. On a avec une super belle histoire. Des fées, une gardienne des fées, tout ça, et je sais pas du tout quand sort le tome 2, mais pareil, j'ai hâte qu'il sorte pour le dévorer, il était excellent, donc voilà, si vous aimez l'histoire un peu comme ça, de fées, un peu fantastique, je ne peux que vous le conseiller, excellent. Donc voilà, deux très belles BD. La plus belle romance. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai remarqué que cette année, par contre, je n'ai pas lu énormément de romances, et d'ailleurs, je trouve que je n'ai pas lu non plus énormément de feel good, parce que ça peut s'apparenter soit en feel good. T'as une sorte de réorientation professionnelle et de vie du personnage principal, mais aussi du coup, il découvre l'amour, tout ça, donc t'as un petit peu de romance. Mais je vous ai mis bah, un bouquin que je vous ai présenté déjà dans je crois, ma romance préférée de mi-année, hein, voilà. Le tome 2 des Chroniques de Virgin River de Robin Kerr, qui est donc Refuge. Voilà, et ben je l'ai trop aimé, et toujours pour les mêmes raisons que je vous ai dit dans l'autre vidéo. On démarre sur une amitié et ça prend son temps, et ensuite on part sur une relation amoureuse et j'ai beaucoup beaucoup aimé, vraiment j'ai aimé même l'histoire de fond, enfin j'ai vraiment tout tout kiffé, sachant que ensuite j'ai lu le tome 3 qui est donc Murmure, et par contre je l'ai moins aimé. Voilà, donc on m'avait dit que souvent ça partait un peu comme ça. Cette saga-là, que plus tu avançais, mieux c'était. Bon, finalement, moi je vais voir que j'aurai des hauts et des bas parce que forcément il y a des caractères de personnages qui vont moins me plaire. Ce qui me pose surtout problème dans cette saga-là, c'est les personnages masculins qui sont très clichés. Alors je pense qu'elle est vraiment. Elle doit dater des années 2000, hein, je crois, cette saga. Elle est pas toute jeune sans être non plus trop vieille. Donc il y a quelques clichés que moi personnellement je peux lui reprocher au niveau de une certaine masculinité pardon, toxique de temps en temps. Donc celui-ci date de 2007 par exemple. Alors je sais pas, ça c'est en France, peut-être que cette année est sortie avant, tout ça. Mais oui, je trouve que les mecs sont un peu trop mal sur les bords. Et il faut protéger la dulcinée, et il y a les armes, et il y a la bagarre. Vous voyez, tandis que vraiment là-dedans, Vic et. C'est ça, c'est Vic, hein? Oui, c'est ça. Vic n'a pas, et même s'il paraît gros nounours, il n'a pas cette masculinité toxique et il veut tout faire pour que. J'ai oublié les prénoms, hein? Comment elle s'appelle? Eh ben, la meuf. J'ai pas le prénom, je l'ai oublié. Je l'aurais pas là. Bon, ben, cette dame. L'élu de son cœur, soit bien, sans trop, tu vois, la cocooner, sans trop la protéger, et voilà, sans être trop dans le dur de voilà, du warning, on va dire. Ensuite. Alors. Oh, on passe à toute autre chose. Le livre le plus effrayant. Alors, je ne lis pas d'horreur spécifiquement, vous le savez, mais je lis quand même pas mal de thrillers, et donc je vous en ai sélectionné deux. C'est pas effrayant, mais c'est toujours quelque chose de très malaisant, où tu te dis tu n'aimerais pas être à la place du personnage principal dans cette situation-là, n'est-ce pas? Donc, voilà, on va plus aller là-dessus que effrayant, plutôt malaisant et un peu flippant. J'ai lu dernièrement Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, voilà donc le tome 1 de la saga Charcot. C'est bien dégueulasse. C'est. Il y a de la torture, il y a de. Oh, les femmes sont encore les victimes. C'est bien, c'est gore. C'est très gore, vraiment. Mais avec Franck Tillier,
ça passe. Je suis pas en mode, ils cherchent vraiment à nous, tu vois, à chercher le vice, à chercher à faire vraiment flipper pour dire, de, tu vois, creuser le truc et te dire vraiment choquer les gens, quoi que ce soit. Je pense vraiment, ils creusent en fait la psychologie du personnage du tueur, voilà, et ils te le met un peu le truc à jour, et comme quoi, bah, tu vois, ça pourrait quand même arriver ce truc-là. Et c'est ça qui rend les choses encore plus flippantes, mais j'ai passé quand même un excellent moment de lecture. Voilà. Tout simplement, hâte de lire la suite. Et également, alors ça c'est une lecture commune que j'ai fait avec Angélique et d'autres filles sur Instagram et qui nous a mis un petit peu de temps en temps en PLS tout ensemble. Il s'agit du chuchoteur de Donato Carisi. Donc là c'est chez Le Livre de Poche. Bon, déjà rien que la couverture, tu te dis, c'est un peu flippant. Mais on n'était pas bien parce que bon, on est avec des enfants... Là, ça se passe avec des enfants, donc pareil, ça te rend pas bien, mais moi, ce que j'ai dans le thriller, c'est que je me... Bon, tu te projettes toujours un peu, mais je me dis, c'est de la fiction quand même, tu vois. Genre, j'arriverai pas à lire des vrais faits divers, ça, j'y arrive pas. Je sais qu'à un moment, je regardais beaucoup, je l'ai déjà dit, Les Enquêtes Impossibles avec Pierre Belmar, j'adorais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, petit à petit, ça m'a traumatisée, et qu'il y a pas mal de choses que... À force de regarder cette émission, je ne pouvais plus faire toute seule. Tu vois, donc ça te met un peu la pression, tout ça. Là, je sais que c'est fictif. Même si, bon, malheureusement, l'humain est un... Voilà. Et du coup, ça peut aussi arriver. Mais voilà, je me dis vraiment, c'est une fiction, tout ça, tout ça. Et du coup, ça passe. J'y arrive. Et j'aime beaucoup les thrillers et les polars, d'ailleurs, pour ça. Mais on était quand même bien... bien malaisant, bien flippant. Il y a un moment où j'y repense, bon, t'as les frissons, voilà, tu as les frissons, tu as ce que tu voulais, tu as ce que tu étais venu chercher, et ben voilà, donc ne te plains pas. Alors, livre le plus émouvant. Alors, je vais pas remettre la taxonomie de l'amour, mais je l'ai trouvé quand même très émouvant, j'ai eu des petites larmes de frustration, un temps de « ah, trop mignon », qui, voilà, sont arrivées, donc il était quand même émouvant pour moi. Mais sinon, un bouquin que j'ai écouté en audio grâce à Angélique, merci Angélique, cette année, elle m'a fait découvrir plein de trucs. Il s'agit du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et j'ai passé, mon Dieu, mais un moment, un pur bonheur. Mais j'ai chialé quand même. C'est très émouvant. Et émouvant, pardon, je ne sais plus parler. Forcément, ça se passe pendant la guerre. On est en Angleterre avec les restrictions qu'il y a eu pour pas mal de pays où il n'y avait plus trop de bouffe, tout ça, tout ça. Et surtout, on est sur une petite île. Alors, je ne l'ai plus, mais pas très loin, voilà, des côtes françaises qui, du coup, a été réquisitionnée par les Allemands. Et où, ben, c'est grave la misère, mais des personnes vont réussir à se réunir et ce cercle, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui se réunissent grâce au livre, même si au début c'était voilà un petit peu pour dire de... Ouais, c'était un peu une excuse, hein, voilà, un alibi. Finalement, ils y prennent goût et on a comme ça, c'est des échanges épistolaires, donc on a des lettres qui nous sont lues à chaque fois par chaque personne et j'ai adoré l'audio que j'ai eu parce que vraiment la personne qui lit... Elle te prend les accents, elle te prend les intonations. Féminin, masculin, c'est bien fait. Enfin, ils sont plusieurs, hein. Je crois qu'ils sont trois à avoir lu, si je ne me trompe pas. Et tout est fait pour que tu sois en immersion et que tu sois vraiment dedans. Et donc, j'ai plus qu'adoré ce bouquin. Et il m'a extrêmement émue, vraiment. Donc voilà, il y a eu les larmes. J'ai pas beaucoup pleuré cette année, que ce soit dans la vraie vie ou par rapport à des films ou des bouquins. Mais ceux-là, vraiment, ils m'ont vraiment touchée, extrêmement touchée. Le meilleur univers. Alors, un bouquin que j'ai découvert grâce au fait que je sois tombée en panne, je ne sais plus où, cet été en venant de vacances, voilà, avec ma voiture, et où on a passé 2 jours à l'espace culturel avec Adrien, et où du coup j'ai fait 2 fois le tour de la librairie, et où je me suis mis beaucoup d'envie dans ma wishlist. Et Anna est passée par là, et Anna me l'a offert, et Anna, mais quel génie! Du coup, j'ai adoré, j'ai succombé à l'univers des royaumes immobiles de Ariel Halls. Halls, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un A. Je ne sais pas. Le tome 1, du coup, La princesse sans visage, et c'est chez Slalom. Bon, déjà la couverture. On pouvait quand même aussi la mettre dans les meilleures couvertures. Ce masque est juste magnifique. Mais j'ai adoré l'univers, donc on est avec des fées, on est dans un univers où c'est un...
On est comment dire, dans un pays où chaque royaume est une saison. Enfin, c'est bien travaillé, c'est beau. Je me suis hyper facilement projetée. J'ai adoré l'écriture. J'ai adoré notre personnage aussi. C'est vrai que j'aurais pu la mettre dans les personnages favoris féminins, mais je peux pas tout mettre non plus. Voilà, ça va aussi. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Bah, c'est Ivy. C'est Ivy, voilà. Donc Ivy m'a aussi beaucoup beaucoup touchée, je l'ai beaucoup aimée et j'ai hâte de découvrir la suite, sachant qu'on va partir dans un tout autre truc à mon avis apparemment. Donc j'ai quand même un petit peu peur parce que bah, on n'aura plus cet univers-là concrètement que j'ai adoré. On va voir, écoute, je vais quand même donner sa chance à ce tome 2 qui j'espère sortira en 2023 du coup. Mais voilà, j'ai adoré. Si vous n'avez pas encore découvert, si vous aimez bah, tout ce qui est un peu, bon, j'ai envie de dire un peu tout ce qui est à Cotard, tout ça, tout ce qui est fantastique, fantasy, voilà, plutôt fantasy, mais en même temps, fantasy, fantastique quand même, où il y a de l'action, où on a un petit peu des jeux, où voilà, bah, ici, Ivy doit gagner sa place pour devenir reine de son propre royaume de l'automne, tiens. Et du coup, on va avoir des petites compétitions, tout ça, tout ça. Et il y a un petit peu de complot, de traîtrise, tu sais pas à qui tu peux faire confiance, enfin, c'est génial. Allez-y du coup. La plus grosse déception, nous en avons deux. Là, nous avons un bouquin que je pensais qu'il allait être très léger, feel good, mais en même temps partir de zéro pour partir à l'aventure et se reconstruire. Enfin vraiment, j'avais dans ma tête, c'était tout un truc. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est donc Ni marié ni enterré de Cathy Collins aux éditions Sarah Le Quint, Sarah, voilà. Voilà, je pensais vraiment qu'on allait. On est avec qui? On est avec Georgia qui s'est fait larguer, c'est ça? Elle s'est fait tromper par son mec pas loin de son mariage. Et qui du coup, bah, ses amis la poussent un petit peu, enfin surtout sa meilleure amie la pousse à essayer un petit peu de voir du monde. Et quand je dis voir du monde, c'est le monde, la terre, mais en même temps le monde, les gens. Et du coup, elle lui dit, bah vas-y, pars en voyage quoi. Du coup, elle part en Thaïlande, si je me trompe pas, voilà. Et tu penses que ça va vraiment être un truc en mode où elle va se reconstruire, tout ça, mais en fait, la meuf, elle va se laisser avoir, mais par des mecs, par des trucs. Je l'ai pas trouvée assez forte, en fait. J'aurais aimé qu'elle soit plus forte, plus rentre dedans, qu'elle se laisse pas faire, que voilà, vraiment que. En mode, je suis une nouvelle personne, quoi, New Year, New Me, tu vois, mais pas du tout. Donc, j'ai pas adhéré. Et puis, l'écriture, ouais, non, vraiment, bof, un flop pour moi, vraiment. Et il y en a un deuxième, et je m'en souviens même plus. C'était quoi? Ah oui! Là, c'est parce que, bah pareil, en fait, j'avais mis enfin, la barre un peu haute, je m'attendais à plein de choses sauf à ça. Et surtout, en fait, j'ai vu de très très bonnes rubriques critiques dessus, ce qui fait que bah, moi, je m'étais dit, voilà, ça va être le truc incroyable. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et vraiment, en fait, j'ai pas accroché. C'était beaucoup trop triste pour moi. C'était peut-être pas ce que je devais lire au moment où je l'ai lu, tout simplement aussi. Mais non, vraiment, je. Voilà quoi, c'est vraiment pas le bouquin à lire quand t'es pas bien, hein, je trouve, parce que je trouve que ça te fout encore plus au fond du trou. Donc voilà, c'était triste, parfois un peu même malaisant. Enfin, j'ai pas trop aimé les histoires de différents personnages, je me suis pas retrouvée, j'ai pas. Non, vraiment, tout. Il y avait plein de choses qui auraient pu me plaire, mais ben ça m'a pas plu. Donc voilà. On arrive aux dernières questions. Donc, le meilleur auteur de 2022. Alors pour moi, c'est simple, ça va être en fait tout simplement l'auteur que j'ai le plus lu hors manga. Je vous ai pas mis de manga là parce que bah, j'en ai parlé déjà dans ma mi-année, mon bilan de mi-année, donc je voulais pas trop vous en remettre. Il s'agit de Franck Tillier, c'est-à-dire que j'en ai lu trois cette année. Donc j'ai lu Train d'enfer pour un jour, jour dernier, j'ai lu Puzzle et j'ai lu le 2 de La Chambre des Morts qui était du coup La Mémoire Fantôme. Donc voilà, j'ai lu trois. Trois Franck Tillier cette année. Et les trois, à part Puzzle qui était un peu comme ça, voilà, que j'avais lu aussi en lecture commune, sinon les deux autres, vraiment, c'était là, j'ai adoré, vraiment, ça me confirme que Franck Tillier est un auteur pardon, que j'aime beaucoup, que j'aime terriblement. Et pour une fois, vous voyez, il n'y a pas Bernard Minier dedans, j'ai juste lu La Vallée, et j'ai été un peu déçue quand même, finalement, de La Vallée. Donc on verra son prochain, qui est La Chasse pour moi, du coup, parce qu'il y en a déjà deux autres, si je ne me trompe pas, qui sont sortis. Donc on verra avec La Chasse, que je lirai quand même cette année, du coup, puisque ça y est, il est sorti en poche. Mais voilà, là, pour le moment, entre les deux, j'ai une petite préférence pour Franck Tillier. Alors aussi, les nouveaux, hein, parce que des Bernard Minier, du coup, j'en ai lu combien? 8, 9 peut-être, je sais plus. Mais voilà.
C'est pas grave, j'ai toujours Bernard Minet dans mon cœur, mais bon. Et comme quoi, vous voyez, mes auteurs favoris, c'est des auteurs de thrillers. Parce que c'est vraiment des bouquins qui marquent et que j'adore parce que je dévore. Donc voilà, t'as envie de savoir, t'as envie de te dire est-ce que toutes mes hypothèses sont bonnes ou est-ce que je suis vraiment nulle? Je suis vraiment nulle. Parce que je me dis, ah oui, j'y avais pensé, mais c'est normal, Juliette. Quand tu aimais sans hypothèse, il y a des chances qu'il y en ait une qui soit à peu près bonne, non? Bah ouais, donc voilà. Cette fois, je crois que je suis une très bonne enquêtrice. Et je crois que non, en fait. J'aurais accusé tout le monde. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai raison, tu vois. Donc bon, j'adore les thrillers. Je peux mettre aussi également Agatha Christie, parce que j'ai lu Une affaire de Styles, donc le premier Hercule Poirot, et je l'ai adoré. C'est-à-dire que je l'ai bouffé en une après-midi, vraiment. En même temps, c'est des petits bouquins, parce que moi j'ai les vieilles éditions masques, voilà. Donc voilà, Agatha Christie aussi, on adore. Voilà, donc j'ai hâte d'avoir la suite, mais je suis chiante parce que je veux les lire dans l'ordre et je veux les vieilles éditions masques que j'ai là, donc ça va être une petite galère. Donc peut-être un petit tour chez Emmaüs. Parce que sur Vinted, je crois pas. Faudrait que je voie. Ah, faudrait peut-être que je voie, je verrai. Et sinon, le meilleur roman de 2022, ça ne sera pas une surprise pour vous, puisque je vous l'ai présenté dans le bilan mi-année, puisque au moment où je l'ai lu, je vous ai bassiné avec lui au moins pendant 4 ou 5 mois. Il s'agit de La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez aux éditions City. Ça. On est d'accord que si vous êtes ici, si vous êtes un amoureux, une amoureuse du livre, de l'univers du livre, de la lecture et de voilà, s'évader comme ça, et c'est fait pour vous. Voilà, j'ai deux, trois personnes qui, après mes conseils, l'ont lu et l'ont adoré. Donc, voilà. Et si vous aimez Londres aussi, vous découvrez Londres d'une autre manière. Moi qui suis déjà allée 3-4 fois. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de Londres et que du coup, voilà, je vous l'ai déjà dit au moment où je vous l'ai présenté, mais quand je partirai, parce que j'ai encore déjà envie de partir à Londres, là je voulais y aller en décembre, mais bon, c'est pas trop possible, voilà, c'est pas grave, mais je sais que j'y retournerai d'ici 2024, je sais que je le relirai et que je prendrai des petites notes de oui, il faut que j'aille voir quoi, et puis voilà quoi, parce que on fait une petite visite du coup de Londres, incroyable, magnifique. Et du coup, oui, je pense que Monsieur Livingstone peut aussi faire partie de mes meilleur personnage masculin de cette année. Voilà. Mais coup de cœur aussi pour celui-ci. Et du coup aussi pour la librairie des jours heureux. Parce qu'elle était trop bien. Donc voilà, c'est mes deux coups de cœur de cette année. Vraiment. Donc voilà pour les Oscars de cette année 2022 qui vient de s'écouler. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, je vais vous mettre en commentaire les questions à la rigueur, et comme ça vous pourrez y répondre directement si vous avez envie de faire un petit peu le petit bilan de votre année également, comme ça vous pourrez répondre en commentaire, ce sera bien sympa. Du coup, sinon, mes objectifs, est-ce que je... Ouais, je vais quand même vous parler grossièrement des objectifs, parce que je pense aussi vous faire d'autres vidéos, par exemple les sagas que je continuais en 2023, ou les auteurs... Attendez, on est en 2023? Putain, on est en 2023, pardon, excusez-moi, je viens de réaliser en fait. Ou les auteurs, du coup, que je voudrais découvrir, ou encore plus lire, tout ça, donc je vous ferai une autre grosse vidéo là-dessus plus tard. Mais sinon, niveau objectif, je trouve que rétrospectivement, 2022 a été une bonne année de lecture, j'ai lu pas mal. J'ai fait beaucoup de belles découvertes, que ce soit en BD, en manga surtout, avec par exemple The Killer Inside, Blue Flag, j'ai continué Beyond the Clouds, enfin voilà, Minuscule aussi. Des références, on adore. Et pour les BD, celles que je vous ai présentées également. Enfin, voilà. Et je suis contente parce que, voilà, je lis vraiment pas mal de genres. Par contre, c'est ce que je vois. C'est que, par exemple, bah, là, au niveau de la romance, j'en ai pas lu beaucoup. J'aimerais bien en lire un petit peu plus. Au niveau du thriller, rester comme ça, c'est plutôt pas mal. À un moment, je m'étais mis un objectif d'en lire un par mois. Mais il y a des mois où je me rends compte que je n'y arrive pas parce que... C'est quand même vachement flippant et je suis vraiment toute seule le soir à l'appartement et du coup mentalement, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des mois ou un petit peu moins, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc que tu peux vraiment te lasser si t'arrives à prendre des thrillers. Ok, c'est un genre, mais si t'arrives vraiment à prendre de tout autre horizon, parce que t'en as quand même plein de sous-genres en thriller et en policier et en polar, donc c'est vraiment cool. Donc lire aussi plus d'Agatha Christie, ça serait cool. Mais sinon voilà, je suis très contente de cette année. Peut-être aussi, j'aimerais bien lire un peu plus de contemporain. Voilà. Mais et en même temps, lire aussi un peu plus de jeunesse fantasy fantastique.
C'était déjà mon objectif de 2022. Je l'ai un peu fait avec par exemple les Royaumes Immobiles, avec ACOTAR, où j'ai fini aussi Le Gang des Prodiges. J'ai fini Red Queen aussi. Et on a quand même fini pas mal de sagas qui étaient en cours depuis super longtemps, donc je suis très contente de moi. Mais voilà, j'ai envie de repartir aussi un petit peu là-dedans parce que je me rends compte que, ok, j'en lis pas tellement, mais quand j'en lis du coup, je suis trop heureuse et ça me fait trop du bien et j'adore en plus. Donc voilà, repartir là-dessus, ne pas trop en manger pour ne pas être dégoûtée, mais pourquoi pas en lire un tous les 2 mois, ça peut être bien, je trouve. Et du coup, ne pas non plus me ralentir sur des sagas, je veux dire, si j'ai envie de manger le tome 3 et 4 d'Acotard assez rapidement, je le ferai, tu vois, parce que pareil, je l'ai fait avec le 1 et le 2 et ça m'a pas dégoûtée, donc c'était vachement cool. Et ça permet de ne pas oublier aussi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je continue. Donc voilà plutôt pour les objectifs lecture. Autre objectif de vie ou quoi, c'est que je me rends compte du coup que j'ai quand même pas mal lu, mais que je suis quelqu'un qui s'éparpille, mais énormément. Je vais faire un truc, je vais pas le finir parce que j'ai l'idée de faire un autre truc. Je suis comme ça, c'est-à-dire que par exemple ce matin, je prenais en photo mes bouquins pour mettre sur Vinted. Vous pouvez aller sur Vinted du coup si vous voulez. Je vous mets le lien est toujours en barre d'infos hein, de mon Vinted. Donc il y a une petite radia, vous voyez pas les trous là, les trous c'est un peu plus en bas, mais j'ai. Hein, nouvelle année, et ben on fait un petit peu de ménage hein, dans tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je trouve que je m'éparpille fort parce que ben j'ai fait ça. D'un seul coup, je me suis dit, ah, il faut que je réponde à des messages. Après, je me suis dit, ah, bah tiens, il faut que j'aille faire ça. Et du coup, j'ai mis passé 2 heures à mettre juste mes bouquins sur. Alors, j'en avais beaucoup. Mais j'ai passé 2 heures à mettre du coup des bouquins sur Vinted. Et il m'en reste encore, j'ai pas fini. Et voilà, en fait, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est vraiment commencer quelque chose, le finir. Et ne pas m'éparpiller. Et du coup, dans mes lectures, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pareil pour mon crochet, en fait. J'aimerais bien aussi faire plus de crochets. Voilà. Finir, mais. Finir mes projets, j'ai encore mon gilet, il n'est toujours pas fini. Donc bon, là, on va essayer de le faire après. Mais à chaque fois, en fait, j'en parle et pareil, en fait, faut que j'arrête de. Autre objectif, arrêter de dire les choses quand tu sais que tu vas pas les faire. Je vous dis, je vais faire mon gilet, je le fais pas, c'est pas vrai, Juliette, arrête de mentir. Je veux finir ce bouquin à partir de vendredi. Non, on sait que tu le feras pas, tu vas encore laisser une semaine avant de le finir. Tout plein de trucs comme ça, je suis comme ça. Et il faut que j'arrête, c'est vraiment un truc, il faut que je travaille sur moi-même là-dessus. Parce que je sais que je pourrais être plus performante niveau lecture en tout cas, lire beaucoup mieux, être moins stressée et vraiment beaucoup plus apprécier mes lectures. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à avoir des coups de cœur ou quoi, parce que je m'éparpille trop quand je lis et je suis pas assez focus du coup dessus. Genre il faudrait que je lise déjà sans mon téléphone. Bon ça après c'est un peu dur quand Adrien est au travail, ben voilà on parle à deux donc c'est un peu compliqué quand même de pas l'avoir mon téléphone, mais de me dire allez une demi-heure sans et puis je le reprendrai après, c'est pas la fin du monde, je pense que voilà c'est tout à fait possible ou même 1 heure. Mais voilà, c'est des petits trucs qu'il faut que je me mette, que je mette plus en place l'organisation. Enfin voilà, arrêter de faire les choses à la dernière minute. Mais voilà, ça c'est un peu objectif de vie. Autre objectif aussi de vie, c'est un peu plus m'écouter. J'ai envie de faire des choses. J'ai notamment envie de faire beaucoup de choses pour cette chaîne, des projets, tout ça. Et c'est vrai que bah, comme je suis pas très organisée, comme je vous le dis, c'est un peu compliqué pour moi avec le travail, jongler avec le travail, jongler avec Adrien aussi, le restant de la famille et les lectures, plus la chaîne, enfin c'est plein de trucs comme ça. Et maintenant que je me suis rajouté le crochet que j'adore aussi faire, que j'aimerais bien aussi en faire une activité, mais pareil, c'est un petit peu compliqué, voilà, parce que bah, ça prend énormément de temps, ce qui fait que si je mets plus de temps sur cette activité-là, je mets moins de temps sur l'activité de la lecture. Et du coup, pour vous, s'il y a moins de lecture, il y a moins de vlogs, c'est moins intéressant. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. J'ai envie de faire de nouvelles choses, mais du coup, ça me mange du temps sur des choses que j'aime déjà et qui, pour vous, tu vois, c'est intéressant aussi. Donc c'est un peu compliqué aussi tout ça. Je ne sais pas encore comment faire. Et voilà, du coup, essayer de jongler avec tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai des petits projets et on va voir. Mais je vais essayer de me donner plus de temps pour les réaliser. Voilà. Essayer de moins me presser. C'est ça le souci, hein. Je suis toujours en mode. Tu vois, je veux que ça arrive vite, et du coup, je fais les choses vite, et du coup, je suis toujours hyper pressée. Et en fait, le fait d'être pressée me stresse, alors qu'il n'y a pas de temps limité, il n'y a pas de. Je fais ma vie et tout va bien. Mais non, moi, je me stresse tout le temps. Donc, pareil, essayer de plus m'écouter et de relâcher un peu le truc, parce que ça sert à de stresser, puisque au final, quand je suis stressée, je n'arrive pas à faire les choses. Donc, c'est aucun résultat pour. Du stress pour rien, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres objectifs que je voudrais, moi, bon, à part voilà, non, c'est tout. M'écouter, prendre plus de temps pour faire les choses, me recentrer. Et voilà, espérer que cette chaîne va continuer à prospérer. On a passé la barre des 2800 abonnés d'ailleurs en fin d'année. Je suis très contente, donc merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. Voilà, autre objectif, j'adorais.
Mais là, concrètement, j'y suis pour rien. Je sais pas comment faire ou voilà. C'est que ben on est 2800, mais en moyenne j'ai 500 personnes qui regardent mes vidéos. Et j'aimerais bien que ce nombre, pas forcément le nombre d'abonnés, augmente, mais que le nombre de personnes qui regardent mes vidéos augmente. Alors, c'est un objectif. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment l'atteindre. Et je ne sais pas du coup comment les autres booktubeuses ou booktubeurs ou même d'autres youtubeurs font pour avoir ça. Alors je sais pas, est-ce que mes titres sont pas assez attractifs? Est-ce que c'est les miniatures? Est-ce que les gens qui s'abonnent à moi finalement au bout d'un moment m'oublient? Je ne sais pas du tout. Activer la petite cloche peut-être aussi. Donc ça c'est un objectif que je voudrais aussi atteindre, même si c'est quelque chose que je ne sais pas si c'est vraiment moi qui dois travailler dessus. Si c'est YouTube, si c'est... Je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est des choses que j'aimerais bien, voilà, qu'on soit un petit peu plus à pouvoir partager, à regarder les vidéos. Voilà, pas forcément en nombre d'abonnés comme je vous dis, mais en nombre de vues. Voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même qu'un quart des personnes qui sont abonnées à ma chaîne qui regardent vraiment les vidéos. Donc j'aimerais savoir, tu sais, mettre le point sur ce qui fait que pourquoi c'est comme ça, pourquoi des gens sont abonnés mais ne regardent pas. Mais bon, ça je sais pas encore comment on va faire. Mais on va essayer. Donc voilà, je vais continuer à faire des vlogs. J'aimerais aussi également faire plus de vidéos comme ça, face cam, où je vous parle de bouquins. Mais c'est vrai que comme on fait des vlogs, c'est plus compliqué ensuite de faire des vidéos face cam avec les bouquins parce que on se répète énormément du coup. Et j'ai pas envie de faire de répétitions et tout ça, c'est un peu compliqué aussi. Donc on va voir, mais je vais essayer quand même de faire un petit peu plus de vidéos comme ça. Peut-être pour reprendre peut-être des tags ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça ne se fait plus trop les tags, hein. C'est assez old school, c'est saut 2020, 2019. Mais on verra, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire également. Donc on va voir pour ça aussi. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Dites-moi s'il y a des vidéos qui peuvent vous intéresser. Je sais qu'on avait fait les vidéos par thème, par genre, c'était cool, où je faisais ça avec vous. J'aimerais bien aussi remettre quelque chose comme ça en place, mais... J'ai pas envie de faire un doublon parce que bah, vous m'avez déjà donné du coup vos coups de cœur pour la romance, la fantasy, nanana. Ou pour les saisons, on avait fait par saison aussi, c'était cool. Mais bon, bah c'est tout, il y en a 4, une fois que vous les avez dit, c'est fini. Donc pareil, si vous avez des petites idées là-dessus, de petites vidéos qu'on pourrait faire ensemble, n'hésitez pas, je suis toujours preneuse. Bon allez, c'est fini, j'arrête de parler, de vous saouler. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous dis à dimanche prochain, 9h30, pour un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous.